Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je suis à ma troisième vidéo. Tu me crois? Ouais, j'ai envie de me prendre de l'avance parce que la semaine prochaine, je vais chez Bibou. Donc, voilà, je suis contente. Je suis contente. J'ai tourné une vidéo un peu spéciale. Je ne vais pas te dire ce que c'est parce que je ne sais pas si cette vidéo, tu la verras avant ou après la vidéo spéciale. Donc, voilà. Mais on se retrouve en tout cas aujourd'hui pour une vidéo unboxing AliExpress de mon vendeur chouchou de tous les temps. Regarde, j'ai gardé l'enveloppe. Parce que j'ai quand même regardé ce qu'il y avait dedans, mais quand j'ai senti que c'était un peu dur, qu'il y avait des petites pochettes, je me suis dit, ça c'est mon chouchou. Mon vendeur chouchou de tous les temps, tu sais, en point compté ou imprimé, suivant ce que tu désires. Allez, je te fais pas languir trop longtemps. Je te montre. Là, si je te montre ça, oui! C'est la petite fille et son chien. Alors, cette toile-là, je l'avais mis en point compté. Je l'avais en point compté et j'avais envie de me la faire en imprimé. Du moins, j'espère que c'est ça et que je ne m'avance pas trop vite. Attends. Du coup, c'est toujours, j'ai un gros doute. C'est super bien emballé. Là, par contre, ouais, tu vois, à chaque fois, c'est chiant parce que dans les transports, les pochettes elles craquent quoi. En même temps tu me diras c'est pas du grand solide, mais ouais, les pochettes elles craquent. Ça c'est un peu galère parce que ces pochettes elles sont tellement pratiques. Alors on va ouvrir, on fait attention parce que les aiguilles elles sont mise un peu comme ça en vrac dans les fils. Trois cartes rétro, finette. Oh, finette. Oh, on va bouffer du 939, mes petits loups. Oh là 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 là. Regarde, toujours écrit à la main les DMC, les mélanges de couleurs et tout. Tout est. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ici, tu as donc la toile et le diagramme. Et ça, on s'en fiche. Oui, c'est du imprimé. Bon, par contre, les toiles chez eux ne sont pas surfilées. Donc, il faudra surfiler. Oh, c'est merveilleux. C'est super bien. Ah, je suis trop contente. Alors, je te montre le diagramme. Regarde-moi ça, ce diagramme de la mortitude. C'est pas canonicien. On a combien de pages? Attends, déjà, oh la vache. Rien que pour les références DMC, déjà on a 4 pages. Attends, on a combien? Bah alors, ils sont où les chiffres là? 16, 17. 17 pages. Oh punaise. 17 pages pour le diagramme. Non mais regarde-moi ce diagramme là. Ils sont pas canons. Hein? Puis tu peux y aller, hein. C'est pas du 80 grammes ça. Ça c'est du 100 grammes, hein, le papier. Hein. Regarde-moi ça. Si t'as envie de t'éclater à la faire en point compté, il n'y a aucun souci quoi. Tu peux y aller les yeux fermés. Je te promets.
Moi, je vais un point compter, mais vu les détails et vu les confettis, j'avais envie de me la faire en point, en imprimé. Tu vois. Alors, je te montre la toile et après je te montrerai le... Après, je te montrerai. Elle est magnifique. Par contre, elle est super foncée. Et je sais pas combien il y a de couleurs. T'as vu la légende des couleurs? C'est impressionnant. Est-ce que je m'amuse à compter? Je sais pas. Non, mais regarde-moi cette toile. Tu vois bien la tête là. La tête de la petite fille. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. La toile est super souple. C'est du 14CT. Elle fait 240 points sur... sur je sais pas combien. Sur 340. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop trop belle. Ouais, par contre, on va faire surfiler mes petits hauts. Bon, t'as 3 côtés sur 4. Mais ouais, attends, les couleurs. Je sais pas combien de couleurs. Et honnêtement, j'ai pas la foi de calculer. En général, il y a 90 couleurs dans cette toile. Mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Je suis ravie, ravie, ravie. Par contre, ouais, elle est hyper foncée, quoi. Alors là, du confetti, je vais en bouffer. Au doudou. Ah bah oui. Ah bah oui, le confetti, rien que dans l'œil, là, là-bas, là. Regarde. Trop fouillette. Elle va être trop belle. Allez, on va regarder les fils. Ça, j'en veux pas. Je trouve pas l'ouverture. Elle est là. Refais attention aux aiguilles. C'est des aiguilles très fines. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup leurs aiguilles. Je pense que ça, c'est du numéro 28. Hein. Je pense, hein. Regarde-moi ces couleurs. Regarde-moi ces couleurs. Dans les orangés, c'est très automnal. Hein. C'est une toile super automnale, ça. Ah, ils sont pliés en deux. J'aime bien quand ça fait ça. Quand ils font ça. Là. Ils plient en deux. Ça fait moins long. Les filles, ils sont moins longs. Tu vois, c'est plié en deux comme ça. Ah bah attends, on va regarder sur le cartonnet, voir combien il y a de filles de DNC. Bah oui, je suis bête. Mais je suis couillonne, moi, des fois. Et regarde, tu vois, ils ont fait les mélanges. Ils ont fait les mélanges. Pas si où j'ai vu. Là, regarde. Il y a des mélanges. Mais ils ont déjà réalisé et ils ont mis. Et ils ont mis les DMC de Giga 529 sur
1353. Sur 353, pardon. Ouais. Et là, c'est pareil. Ah non. Pourquoi ils ont mis 358 égale de 918? Parce que là, pourtant, il n'y en a qu'un. À moins que ce soit les mêmes références. C'est bizarre. Faudrait regarder sur le diagramme. Donc voilà la première cartonnette. La deuxième propunaise, ouais, ça. On va bouffer du 939, je crois. Ça, c'est du 9. Oh la vache! Ah, mon Dieu. Regarde! Oh la vache. Neuf. Ah non, il y a du 939. C'est quoi ça? 4519. 819. Regarde, les couleurs, elles sont presque identiques. C'est incroyable. On a 19, 819, 939 et 823. Regarde, les deux couleurs, elles sont quasiment identiques. C'est impressionnant. Et là, on a du 4519. On en a un là et un là. Ok. Ok. Donc là, il faudra pas que je mette par numéro parce que tu vois, ils sont mis à la suite, mais c'est pas. Il n'y a pas 2 x 15 ou 3 comme chez Joyce Sunday. Ça va faire que je fasse attention quand je range mes fils dans mon porte-document, tu sais. Oh, ce bleu lavande, il est trop beau. Trop beau. Ils ont mis des annotations, mais je sais pas à quoi ça correspond, parce que là ils ont mis une étoile, mais je sais pas à quoi ça correspond. Peut-être une référence pour eux, je sais pas. Ouais, tu vois, la dernière cartonnette. Que du bleu, que du bleu, que du bleu. Magnifique. C'est incroyable. Attends. 1, 2, 3, 4, 18, 32, 32, 32, 32, 64, 64, 64, 66, 96. Ouais, 90 couleurs. Parce que il y a plusieurs. Il y a la même couleur sur plusieurs trous. Donc ouais, on peut dire 90 couleurs. Donc voilà la dernière cartonnette. Bah, beaucoup de bleu. Hein. Ah! Si t'aimes pas le bleu, bah tu passes ton chemin. Voilà. Ça c'est dit. Regarde ce violet. Trop beau, trop beau. J'adore. J'adore. Ah ouais. Ouais. Voilà, et tu pour cette toile, elle est magnifique. Je sais pas ce que t'en penses, mais elle est trop belle.
Et la dernière. C'est un peu le boxon là, du coup, par rapport à eux qu'ils ont fait. Surtout, je n'oublie pas mes idées. Je pense que je ferai page par page. Regarde-moi ce visage. Regarde-moi ce visage. C'est pas canon, franchement. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Mais je comprends pas où il est bleu parce que regarde, on n'a pas tant de bleu que ça. Je sais pas. Là, pour le coup, je t'avoue que je suis assez perplexe, quand même. Alors, attends. Je vois que ma pochette sabot, elle va se faire sur la binette. Ulysse, il va jouer avec, ça c'est sûr. Et il est en train de faire dodo, alors on en profite. Ouais, il est sur mon lit là, je pense. Il est sur mon lit, mon petit bout. Mon petit bout. Voilà. J'arrête pas de te faire trembler ma peau. Ensuite, c'est celle-ci. J'ai adoré ce poil. Donc, c'est quoi? Je sais plus, elle est toute petite. Ah oui, avec le chat noir, c'est vrai. Regarde celle-là, elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc toujours du 14 CT, hein. Je pense qu'ils sont en train de son petit chien et lui et petit écureuil, ne pas oublier le petit écureuil, sont en train de regarder le ciel dans la nuit. C'est pas merveilleux. J'aime. Donc là on a des couleurs un peu plus peps quand même. Je trouve. Regarde-moi ces couleurs. Le diagramme ici, toujours pareil, juste pour voir, 17, 21 pages, 21 pages juste pour le diagramme, et pour les couleurs, trois pages pour les DMC, ouais. Peut-être que je vais les plastifier les pages. Les pages là parce que. Glitter. On a des. Oh, on aurait des fils de glitter. Oh, regarde, glitter quoi. Le 5272. Oh, je le connais pas celui-là. Et silver. Ça, je le connais pas celui-là. On a du noir. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça.
11 francs. C'est du 11 francs. Ah bon? J'ai pris du 11 francs, moi. Ou là, autre chose. Ah ouais. Ah ouais, j'ai pris du 11 francs. Oh, punaise. Regarde-moi ces couleurs. Oh là là. Ou même si, bien sûr, ce ne sera pas la même. Enfin, tu vois. Mais... C'est flashy, hein. Ça fait presque mal à la tête. C'est du 11 comme ça. Oh ouais. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre que ce soit du 11 comme ça. C'est un carré, on dirait. Là, c'est vraiment magnifique. Il me tarde de voir les couleurs. Ah ouais, effectivement, l'aiguille est plus grosse. Attends, par contre, ça pique. Hein. L'aiguille est un peu plus grosse, tu vois. Elle est plus grosse et plus grande, c'est rigolo. Oh, c'est un peu beau ça. Ouais. Alors, les couleurs. Les couleurs. Oh, c'est trop beau. Beau, hein? Moi je veux voir le glitter. Moi je veux voir le glitter. Mais il y a des bouts de fil là, c'est bizarre. Regarde-moi ce ton de marron lire. Magnifique. Ouais, on a du noir. C'est même pas du noir, ça, c'est du 4521. Ah, il y a le 310, d'accord. 3880 égale 356. Ok. Genre, il y a d'autres références de couleurs. 8403 égale 8. 310, je sais pas. Je comprends pas très bien leur truc. On est d'accord. Ici, il y a deux couleurs différentes. Mais c'est kiff kiff, hein. Oh la vache. J'aimerais bien voir le glitter. Il est où le glitter? Tu vois du glitter? Moi, je ne vois pas. Hein. Si, je vais trépiner comme une gamine. Je veux du glitter! Par contre, c'est bizarre qu'on coupe leur fil. Il y a des filles qui sont pliées, il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est bizarre. Ce bleu lavande, regarde-moi ça, c'est trop beau.
Ah, j'arrive pas à attraper. Oh, ce bleu là, turquoise. Magnifique. Magnifique, ma chérie. Magnifique, ma chérie. C'est trop beau, vraiment. Bon, bah, mes petits loups, je crois qu'on n'aura pas de glitter dans cette toile. C'est une fausse joie là. C'est pas juste. C'est pas juste, hein. Vendeur chouchou là. Tu nous as fait des fausses joies. C'est cher ami, tu as pistolet du glitter, tu as des fils métalliques. Mais oui. Regarde, oh. Je kiffe ce marronné. Le vieux rose, là, j'aime beaucoup. Et c'est fou, hein, les couleurs, elles sont presque identiques. C'est incroyable. Bon, bah, m'a pas glitter, mes petits loups. Non. C'était une fausse joie. Sniff. Bon. Là là, les couleurs, ces couleurs. Et le fil est tout doux, c'est vraiment très très agréable. C'est très très agréable. Oh oui, c'est très très agréable. Heureusement. Bon, j'ai foutu un bavard dans mes fils. Je te dis pas. Ouais, je sais, je suis un peu excitée, bien sûr, excitée. Une petite fille qui trépigne d'impatience, tu sais. Mais avec Bibou, hier, on a commandé. J'ai appelé Accès Plus pour. Oh, punaise, que je perds pas mon aiguille là. On a appelé Accès Plus pour réserver la place dans mon train. Parce que c'est un service de la. Tu sais pas, c'est ce que je t'explique. Que je t'explique. On a un service à la SNCF qui s'occupe de nous pour nous accompagner dans le train. Donc il y a Accès Plus TER et Accès Plus TGV qui sont deux services différents. Faut savoir que Accès Plus TER est beaucoup plus compliqué à joindre que Accès Plus TGV. Et du coup, dans les nouveaux trains, en fait, ils ont une clé spéciale, tu sais. Et t'as le sol qui monte et qui descend pour qu'on puisse être à niveau en fait. Donc t'as tout le sol qui monte et qui descend. Moi, ça fait très très longtemps que je voyage en train. J'ai connu les Michelin, si tu vois de quoi je parle. Et j'ai connu. Et bon, là, je voyageais pas encore dans les. J'ai jamais trop voyagé dans les Michelin toute seule, parce que j'étais encore une enfant. Et après, quand j'ai commencé à voyager seule, les Michelin n'existaient plus. Mais on avait les vieux corail, tu sais, les trains orange, là, tu sais. Oh, punaise! Bah, vas-y, pour rentrer là-dedans, fauteuil, je te dis pas. À Tours, une fois, ils ont été obligés de casser la porte, dis-toi. Ouais, je te promets, on a été obligés de péter la porte du train parce que je n'arrivais pas à rentrer dans le train. Et une autre fois, parce que j'arrivais pas à rentrer dans le train, donc dans les vieux corail, je
voyager entre deux ballons. Ça faisait un bordel pas possible. Pendant une heure, t'avais le bruit du train dans les oreilles, je te dis pas. Je voyageais avec Naya comme ça, entre deux ballons. Ah bah ma Nayou, elle était pas fière, je te le dis. Ma pauvre Nayou. Qu'est-ce que j'en ai fait voir des choses. Et une autre fois, impossible pareil de rentrer dans le wagon. Eh ben on m'a mis dans le wagon acolyte. Ouais. Il y a un wagon, tu sais, postal. Et ben en plein cagnard, en plein été. Je suis tombée sur deux mecs. À l'époque, c'était pas encore privatif, Accès Plus. C'était les agents de la SNCF qui faisaient Accès Plus. Et le mec à Redon, le mec était bourré. Tu me crois? Le mec, il était complètement bourré comme un trou. Déjà, il m'a fait monter sur l'élévateur à l'envers, alors que c'est hyper dangereux. Il a fallu que je monte dans le train en arrière. Mais t'es taré, mon gars. Mais non, mais il commençait à être assez virulent au niveau de la parole. Donc, j'étais obligée de monter comme ça à l'envers sur l'élévateur. Et il m'a foutu dans le wagon à colis. Ouais. En plein cagnard. Ouais. Sauf que dans le wagon à colis, bah, il n'y avait pas de climatisation. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup le contrôleur il était tellement colère comme il mis là et ben en fait c'était à côté de la cabine du conducteur quoi. Et ben le mec et ben, il est resté avec moi Redon Rennes, il m'appelle Redon Rennes, il est resté avec moi, il n'a pas été composté, il n'a même pas été contrôlé les billets des passagers. Ah ben il y en a certains, je te dis qu'il devait être content. Et il a fait un scandale auprès de ses responsables. Ouais. Ouais. Mes petites péripéties en guerre dans mes voyages. Ah, mais je pourrais t'écrire des romans comme ça. Donc, maintenant, c'est un souvenir. Voilà. Maintenant, j'en rigole, tu vois. Oui, si tu me rendras sa tête pour aller. Coucou ma Mounty. Oh c'est rigolo que tu viennes parce que la broderie que je vais montrer au petit loup. Bah regarde. C'est une Mounty. Regarde ma Mounty, t'es sur la broderie. Mounty. Mounty. Elle en a rien à faire. Regarde-moi cette mignonnerie. Hein, franchement. Avec le petit oiseau. Sur son... C'est un cerisier, tu crois? Ou un magnolia? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est trop mignon. Est-ce que tu peux pousser, Bounty? Bounty, pousse-toi! Si tu te pousses... Je ne peux pas montrer le point de croix si tu restes là, ma fille. Tu choisis bien tout moment pour faire des câlins, toi. Oh ben il est tout petit. Ah ben il est tout petit le machin, ça fait bizarre. Alors, partons à la découverte. De ce point de croix. Je me rappelle même pas avoir... Ah, punaise. Je me rappelle même pas avoir rangé mes écouteurs tout à l'heure. Alors, le diagramme plus part sur Philocité. Ça, c'est bien du 14 quand même. Je crois. Hein. Bah oui. La toile, elle est toute petite. Regarde ça. Si c'est pas choupi. Oh, on a du poids arrière. Aussi. Oh, c'est sur pipi.
Bon, il y a des passes, il n'y a rien du tout. Regarde-moi ça. J'ai l'impression qu'ils ont fait à l'envers. J'ai l'impression, regarde, le chat, il est à l'envers. Ça se regarde comme ça normalement. Mais non, je suis bête. La tête du chat, elle est à l'envers. Il est sur le dos, donc oui, d'accord, ok. Je n'avais pas compris. Mouscante. Ils disent que c'est du 11 compte. Je suis persuadée d'avoir pris du 14 compte. Mais peut-être que c'était. Neuf, 10, 10 pages de diagramme, c'est déjà pas mal, hein, 10 pages de diagramme pour un si petit. Et donc, il va. Ah, j'avais pas vu. D'accord, 40 sur 40. En centimètres, ça fait 40,18 sur 41,79 cm. C'est précis. Bounty te chante un peu. Est-ce qu'on a des mélanges de couleurs? On a trois piles en point arrière et on a des symboles où on doit. Ah oui, ça c'est les mixtes de couleurs, d'accord. Un fil de chaque, ok. Donc. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23. 23 références DMC en comptant les mélanges. Donc on a 23 couleurs dans ce pommeau. Quand j'ai vu, écoute, j'ai trouvé tellement mignon. J'ai oublié que je le prenne. Hein, franchement. La toile est hyper fine. Regarde-moi cette mignonnerie. Non mais franchement, regarde-moi cette mignonnerie. Oh, c'est trop mignon. Ça, c'est le genre de truc que je peux embarquer avec moi. Je suis bibou. Ouais. 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 Oui. Et ça, en coussin, ça serait trop bien. T'en penses quoi? Il y a des sacrés bords. Hein? J'adore. Non. Les aiguilles. L'impression que la toile ça change parce que là tu vois la toile là c'est du 11 compte, ça se voit, mais quand tu regardes la toile j'ai l'impression que c'est plus petit. Oui, c'est du 14 compte, mais si Bounty toujours c'est du 14 compte. Ah non, c'est du 11 compte. J'ai comparé avec les Mais non, mais Bounty! Mais c'est pas possible! Tu peux pas faire ça maintenant! Bounty! Oh, tu me fends le cœur! Mais pardon, ma Bounty, je suis en train de faire une vidéo! En plus, tu m'as perdu une aiguille! C'est malin! Non, Bounty, c'est pas cool! Ça fait quoi de l'aiguille? Quand c'est pas ton frère, c'est toi. Je sais que t'en profites que l'autre dorme.
Oh putain, elle vient te mettre un, elle vient de te mettre un coup. Elle vient de te mettre un coup de tête. Attends. Ah merde, je me trompe. Ouais. Elle avait tourné la caméra, dis donc. Bon, après, j'allais m'occuper de Bounty parce que. Regarde-moi cette mignonnerie. Voilà, regarde, on a des beaux tons de gris. Regarde, c'est rose là. C'est pas mignon. Et là, pour la fleur, c'est trop mignon. C'est trop, trop mignon. Et là, ils ont pas mis ensemble des mélanges de couleurs. C'est rigolo. C'est trop, trop mignon. Voilà mes petits loups pour cet unboxing de mon vendeur chouchou de tous les temps. Je vais vous laisser en vous faisant des millions de gros, gros bisounours. Puis nous, on se dit à tout vite dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. N'oubliez pas, c'est très très important. Gros bisous, mes petits loups.